Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la carrière manager, toujours avec Dortmund. Donc, on n'a pas encore commencé la nouvelle carrière manager, puisqu'on a la finale de la Super Coupe d'Europe. Donc, le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de l'Europa League. Donc, du coup, je vous ai demandé en commentaire si vous voulez voir cette finale. Vous m'avez dit oui, donc du coup, je vous la fais. Et en plus de ça, on s'est fait un petit plaisir, comme du coup, c'est dans la nouvelle saison. Donc, du coup, on a reçu le budget de transfert, etc. Et on s'est fait un petit plaisir, comme vous pouvez le voir sur le terrain. Du côté gauche, on a un certain Neymar. Voilà, on s'est fait plaisir. On a acheté Neymar juste pour cette finale. Voilà, on s'est fait un petit kiff là-dessus. Voilà un petit peu la composition. On va juste changer le paramètre de difficulté. On va mettre en légende puisque c'est une finale. Et on est parti avec cette équipe-là, avec ce dispositif-là. Du coup, oui, j'ai changé. Donc, du coup, on se retrouve qu'avec un seul buteur. Voilà, un petit Neymar pour se faire plaisir pour cette dernière avec Dortmund. Allez, on est parti. On va voir cette équipe de Manchester United. On peut voir qu'il y a Umtiti du côté de l'Angleterre à Manchester. Donc vous pouvez voir que Neymar, on lui a mis le numéro 10. Hein. Donc j'ai même pris le temps de mettre le numéro 10 à Neymar. Donc voilà, juste pour ce match-là. Neymar qui a 30 ou 31 ans, il me semble. À l'heure actuelle maintenant. La compo. Oh là 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 là, Dybala, Kylian Mbappé, Lemar. Ah mais ouais, mais je suis vraiment con, je me dis, ouais, il y a vraiment une équipe de fou quoi. Mais c'est vrai que c'était mon ancienne équipe. C'est vrai qu'on avait quitté Manchester pour Dortmund. D'ailleurs, c'était pas une bonne idée, mais bon. Voilà, on va terminer avec Dortmund. Et voici la composition de Dortmund que vous avez vu. Voilà, avec Neymar sur le côté gauche. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé que c'était moi l'entraîneur de Manchester United juste avant Dortmund. Et c'est que c'est pour ça qu'il y a des joueurs de malades comme Dybala. Et encore, il me semble qu'ils ont perdu quelques joueurs. J'ai l'impression. Allez, on est parti pour cette finale. Bon, si on pouvait marquer rapidement, ça serait le feu. Alors, on va obtenir un coup franc. Oui, un coup franc. Le petit carton jaune dès la deuxième minute. Impeccable. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Oh, c'est Neymar qui tire. C'est bien joué. Oh. Alors pour ceux qui auraient loupé, il y a également les nouveautés du mode carrière qui ont fuité. Oh là là, il y a un bon coup à jouer là avec Neymar. Tenter le centre. Il est pas mal ce centre. Il était plutôt pas mal. Oh, c'est bien fait ça. Oh là là, c'est bien fait. Faut que je le marque avec Neymar celui-là. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique pour un premier but. Voilà, 1-0. Le premier but de Neymar. Ah, cette action, elle est magnifique. Là par contre, j'étais pas sûr de le mettre. Hein. Là, j'étais vraiment pas sûr de le mettre, mais il fallait que je finisse l'action avec Neymar. C'était tellement beau. Oh là 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 là, magnifique. Quelle action. Eh ben, il est pas mal ce petit premier but pour Neymar. Et donc oui, il y a eu une nouveauté dans le mode carrière manager sur FIFA 18. Alors pour l'instant, alors pour ceux qui n'auraient pas forcément vu, je vous invite à aller voir sur internet ou quoi que ce soit, parce que peut-être que ma vidéo que j'ai sortie dessus n'est plus disponible, parce que soit je l'ai enlevée ou soit elle a été supprimée par l'IA. Donc voilà. Mais maintenant les négociations vont être beaucoup plus poussées. On pourra mettre des clauses, des pourcentages à la revente. Ouh, c'était dangereux. Et on a des contres. Ils sont extrêmement dangereux. Et donc on va avoir un mode carrière manager juste de ouf. Alors je pense que ça y sera également dans la carrière joueur hein, pour tout ce qui est transfert également. Enfin, en tout cas j'espère, parce que bon, si en carrière joueur les transferts ne sont pas pareils, c'est un petit peu débile. On défend bien pour l'instant, on défend plutôt bien. Pour l'instant, on les fait bien repousser derrière. Ils ont du mal à centrer ou quoi que ce soit. Oula, par contre, là, ça va passer. Ça va passer. C'est sauvé sur la ligne. Attention quand même de pas trop les laisser jouer. Attention à Lemar. Attention à Lemar sur le côté. Alors, Lemar, c'était moi qui l'avais recruté également à Manchester. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage, en plus elle est contrée il me semble, cette frappe de Dybala. Ah, juste avant la mi-temps. Ah, non, je suis pas sûr qu'elle soit contrée en fait. Hein. Je suis pas.
Ah si, elle est contrée, elle est contrée. Elle est contrée. Ah c'est dommage ce petit but. Et ouais, contre ce camp, contre son camp d'ailleurs. C'est vraiment dommage, mais en même temps, on n'a pas. On a eu une petite, une grosse grosse action, une grosse occasion, on l'a mis dedans et ensuite on n'a pas fait non plus le truc ouf. Oh là 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 là. Heureusement. J'arrive pas à leur prendre le ballon. J'arrive pas à prendre le ballon. Allez. Ça serait bête quand même de la perdre. On a gagné toutes nos finales. La finale de l'Europa League. La finale de Coupe du Monde. Ah dommage, j'ai pas réussi à enchaîner là-dessus. Ça a été intercepté. Oh là là. Encore une fois, Harry Kane. Je reviens en taclant, mais. Ouf. Heureusement qu'il y a cette parade. Allez, le corner, on va faire entrer le petit Murphy. Qui est un bon petit joueur. Ah, puis du côté de Manchester, il n'y avait pas Pogba de titulaire. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait la tête. Oh, ça aurait été ouf quand même qu'il marque. Donc il vient juste de faire son entrée. Oh là là, comment il part dans mon dos, c'est pas possible. Oh, le mauvais choix. Oh là là, le mauvais choix. Heureusement qu'il fait la passe. Et puis ils ont Ali aussi du côté de Manchester. Oh là là, mais ils ont recruté du lourd aussi, hein, après mon départ. On est dans le temps additionnel, ne pas se prendre de but. Oh là 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 là, on aurait pu éviter, si on a évité le corner. Oh là là, bien joué ça. Allez, on est reparti. Du coup, on a fait rentrer un attaquant. On a fait rentrer mort. On a laissé Neymar, mais il est cuit. Hein. Neymar, il est cuit. Mais il peut faire encore de belles choses. Comme ici, par exemple. Allez, la petite tête. Oh putain de merde. Il y avait autre chose à faire. Il y avait autre chose à faire là-dessus, mais c'est pas grave. Allez, Neymar pour le corner. Ouais, et heureusement que mon gardien il est là. Hein. Oh, bien joué. Bien joué la passe de Neymar pour mort. Oui. Voilà, Neymar il est cuit, mais il arrive quand même à donner des bons ballons. C'est parfait ça. La petite passe là de Neymar en plein axe. Cette fois-ci, le plat du pied qui passe. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à défendre parce que. On va pas tenter le diable. Bon, attention quand même à la réaction derrière de Liverpool. De Manchester plutôt. Oh là là, non, je le laisse tout seul, je le laisse tout seul. Oh là là, mon dieu. Oh la chance. Super arrêt du gardien. Et derrière le poteau. J'ai mes défenseurs qui sont cuits. Oh là 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 là. Voilà. Par contre, offensivement, j'ai des joueurs normalement qui sont. Allez, pour Neymar. Pour Neymar. Allez. Oui, voilà. Et encore le doublé de mort. 3-1 dans le temps additionnel de cette prolongation. C'est fait. On va remporter ce trophée. La frappe croisée là qui est repoussée par le gardien. 3-1. Et bien ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué même si on n'a pas de chance. On s'est pris quand même un but un petit peu bizarre mais bon. Enfin un but dévié quoi. Et voilà, c'est fait. C'est fait, on remporte un trophée. Un deuxième trophée d'ailleurs. Mais ça c'est le premier trophée donc, de cette nouvelle saison. Avec Dortmund. Et bien on finit bien. On l'a fini bien cette carrière quand même. On remporte la Coupe du Monde en tant que sélectionneur avec l'équipe de France. On remporte l'Europa League. On remporte une super coupe d'Europe. Voilà, on termine bien avant de commencer une nouvelle aventure en carrière manager. En attendant FIFA 18, on va aller partir un petit peu en dehors de l'Europe. Histoire de faire juste même une saison, voire une ou deux saisons. Et ensuite, on verra si on peut retourner en Europe ou pas. Donc voilà, en tout cas pour cet épisode, j'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo. N'hésite pas à t'abonner également si t'es nouveau sur la chaîne et si tu veux suivre la série hein, prochainement sur FIFA 18, etc. Carrière manager, carrière joueur.
Nous, on se quitte là-dessus. Franchement, le trophée, il ressemble à rien du tout, quoi. On dirait un vase pour mettre des fleurs dedans, quoi. C'est vraiment chelou, hein. Franchement, ils auraient pu mieux faire comme vase. Franchement, il ressemble à rien, le vase. On a l'impression qu'on l'a coupé en deux. Oh non, franchement, il est dégueulasse, ce trophée. Bref, on se quitte avec ces belles images de célébration. Et moi, je vous dis à très très vite. Allez, ciao tout le monde.